confirmé l'arrivée des renforts. L'ambassadeur Oudina veut qu'on revienne à la citadelle pour faire un rapport. Le conseil lève une flotte interraciale contre sa reine et ses guettes. Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Let's Play de Mass Effect. Je voulais me déplacer jusqu'à la citadelle, mais finalement, il y a eu un dialogue qui s'est lancé. Donc j'ai lancé la vidéo là. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi, oui, on va tout de suite continuer. Je savais qu'il reviendrait à la raison. Joker, cap sur la citadelle. Je veux voir le Normandie à la tête de cette flotte. À vos ordres, chef. Hey, je te bug. Bah donc j'espère que vous allez bien, que le son est bon, que l'image est bonne et tout et tout. Ah bah voilà, on n'avait pas besoin de se déplacer nous-mêmes. Faites que je dois pas descendre le quai, s'il vous plaît. Ne me fais pas descendre le quai, j'ai pas envie. Allez je veux pas descendre. Ah. Bravo Shepard. Grâce à vous, le conseil peut enfin agir contre Saren. L'ambassadeur a raison. Si Saren est assez inconscient pour attaquer la citadelle, comme vous semblez le croire, nous serons prêts à l'accueillir. Nous avons placé des patrouilles près de chaque relais entre l'espace concilien et les systèmes Terminus. Combien de vaisseaux envoyez-vous pour attaquer Ilos ? Ilos n'est accessible que par le relais Mu, situé au plus profond des systèmes Terminus, commandant. Si nous y envoyons une flotte, c'est l'escalade assurée vers la guerre totale. L'heure est à la discrétion, commandant. La meilleure arme de Saren était le secret. Découvert, il ne constitue plus une menace. C'est fini pour lui. Envoyer un unique vaisseau dans les systèmes Terminus, ça ne constitue pas un casus belli. Je me ferai discrète. Vous avez fait sauter un dispositif nucléaire sur Virmir. Pour la discrétion, on repassera. Votre style convenait peut-être aux situations de la travée, commandant. Nous vous l'accordons. Mais cette action sur Ilos nécessite un peu plus de doigté. Nous contrôlons la situation. Sa meilleure arme n'est pas le secret, c'est le canal. Saren est passé maître dans l'art de la manipulation. Le canal est un leurre pour nous détourner de son véritable objectif, l'attaque de la citadelle. La véritable menace est Sovereign. Saren n'est qu'un larbin des moissonneurs. Vous êtes la seule à avoir vu ces moissonneurs, et encore dans vos visions. Nous n'envahirons pas les systèmes Terminus sur la foi d'un rêve. Si Saren découvre le canal, nous sommes tous foutus. Il faut aller sur Ilos. Ambassadeur Oudina, j'ai le sentiment que le commandant Shepard... Les répercussions politiques sont très importantes, Shepard. Espèce de salaud! Vous nous sacrifiez! Ainsi va la politique, commandant. Vous avez fait votre travail, maintenant laissez-moi faire le mien. Nous avons désactivé tous les systèmes primaires... Vous êtes immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Personne ne me poignarde dans le dos, Oudina. Personne. Je crois qu'il est temps pour vous et votre équipe. Alors toi... Ah... Commandant, Shepard, je n'arrive pas à croire qu'ils aient agi ainsi. Je compatis sincèrement. Vous ne pouvez rien y faire. C'est injuste, alors que vous aviez surpassé leurs attentes. Personne d'autre n'aurait pu faire ce que vous avez fait. Le Conseil vous doit tout, tout. Et en guise de remerciement, il vous retire le commandement du Normandie. Qu'il me punisse, peu importe. Mais qu'il ne fasse rien contre sa reine, c'est inexcusable. Si on ne l'empêche pas de trouver Nous pourrions peut-être faire appel, qu'ils révisent leur décision. J'ai déjà tout tenté. Impossible de les faire changer d'avis. Vous baissez les bras ? Vous allez laisser périr la galaxie à cause d'un simple... Ce n'est pas parce qu'on a été mis sur la touche qu'on doit déclarer forfait. J'ai foi en vous, Shepard. Ah, je m'en doutais. Pardon de vous interrompre, commandant. J'ai un message du capitaine Anderson. Vous nous espionniez, Joker ? Non, chef. Je savais que vous étiez à bord, et je voulais juste passer le message. Le capitaine vous donne rendez-vous à l'Électron Libre. C'est un club dans les secteurs. Vous devriez aller le retrouver. Tali et Garus, c'est parti. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Non mais non quoi, pourquoi ?
J'aime pas passer par cet endroit. Encore si un téléporteur serait bien, mais y a rien. C'est chiant, non. Faut qu'on fasse les escaliers, faut qu'on fasse l'ascenseur à chaque fois. Et il est lent. Notre confrère, Khalisa Al-Jilani, est allé poser quelques questions au célèbre commandant Shepard, le premier spectre humain. Le commandant Shepard a su répondre à ces questions délicates, montrant à tous que sa nomination n'est pas seulement due à ses exploits militaires. Des images exclusives seront diffusées aujourd'hui. Ok. Donc on doit aller directement à l'électron libre. Allez, c'est parti. En passant par ici, voyager. Secteur. Électron libre. Voilà. Soldat, la situation est grave. J'ai besoin de l'aide. Quel est le problème? Ah, droit au but. Elias Keller, négociateur. Je me prépare un... Et je peux vous dire que pour du lourd, c'est du lourd. Je me bats pour protéger l'humanité. Bon, c'est important, d'accord. De quoi pour vous pouvoir avez... servir l'humanité au mieux de mes capacités. J'ai besoin d'un stimulant intellectuel qui améliore la vivacité. C'est un produit tout à fait légal, mais dont la vente est limitée. J'ai déjà acheté le maximum mensuel autorisé. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce stimulant? Je ne connais pas les termes médicaux exacts, mais il améliore les facultés mentales. Il m'aide à rester concentré et à être toujours sur le qui-vive. Quand j'en prends, rien ne m'échappe. Pourquoi vous avez dépassé les limites mensuelles si vous les... Les négociations étaient censées commencer la semaine dernière, mais les Galariens les ont repoussées. Sans ce stimulant, je ne serai pas en mesure de participer à la négociation. Mon assistant devra me remplacer et ce sera le désastre assuré. Vous devriez avoir un peu plus confiance en votre assistant. Vous n'avez pas participé. Mon assistant n'est bon qu'à faire des courbettes devant les races de la citadelle. Il veut leur montrer que nous sommes raisonnables. C'est en leur montrant qui commande qu'on s'imposera. C'est ce qu'on a fait contre les Turiens. Non, mon assistant est une catastrophe. Qu'est-ce que cette négociation a de si important? Les Galariens veulent conclure des accords commerciaux à long terme. Des milliards de crédits. Si je ne me procure pas le médicament, mon assistant va devoir me remplacer. Et tel que je le connais, il va tout faire foirer. Vous devriez avoir un... Mon assistant n'est bon. C'est en leur montrant qui... Vous êtes accro. Vous êtes accro, stimulant. Oui, je sais que ça en donne l'impression. Tous les négociateurs utilisent des stimulants. La plupart frisent la limite légale. C'est comme ça que ça marche. Alors comment se fait-il que tous les meilleurs négociateurs ne m'aient pas contacté? Vous avez peut-être raison, en essayant de donner une image forte de l'humain. Écoutez, ce sera la dernière fois que je prendrai ce stimulant. Dès que l'accord sera passé, j'irai en désaccord. Aucun accord commercial n'est assez important pour que vous mettiez votre vie en danger. Lâchez la bride et faites-vous... Vous ne comprenez pas, l'humanité a... Je ne sais pas... Je ne sais plus... Quand je n'en ai plus, je suis si fatigué... Tout le monde peut avoir un problème dans la vie. L'important, c'est que vous suiviez un traitement. Vous avez raison. Je vais avertir mon assistant. Je vais me faire soigner. Je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là. Ah voilà. C'est une demande de négociateur, elle est faite celle-là. On va retrouver Anderson. De toute façon, on peut pas quitter la citadelle. Eh, ça fait du bien de voir un autre. Ouais, on danse. Ouais. Ouais. On danse trop bien. Allez, ciao. Commandant, merci encore pour votre aide. Allô, voilà. Soyez là, je sais pas. J'ai appris ce qui s'était passé. Ils m'ont retiré la mission. Comme lorsqu'ils vous ont obligé à abandonner. Je sais, je suis désolé. Je voulais vous prévenir, mais pas moyen de vous contacter avant la Mara. Je veux bien croire que vous êtes en rogne. Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ils pensent peut-être que c'est terminé. Mais vous et moi, on sait très bien ce qu'il en est. Vous devez vous rendre sur Ilos. Il faut empêcher Saren d'utiliser... Il n'y a qu'un vaisseau qui pourrait mener dans les systèmes Terminus sans se faire... Tous les systèmes du Normandie ont été désactivés. Mais si nous arrivons à annuler les ordres de l'ambassadeur, vous serez dans les systèmes Terminus avant même qu'on s'aperçoive de votre départ. Si nous volons le Normandie, c'est vous qui prendrez pour tout le monde. Et si Saren trouve le canal, ce sera la fin de notre civilisation. Les moissons... Vous êtes notre seul espoir, Shepard. Je ferai donc tout ce qui est nécessaire pour vous faire quitter cette station à bord du Normandie. Voler le Normandie, c'est de la mutinerie. Et si l'équipage refuse de m'aider? Le Normandie est à vous, commandant.
Son équipage vous suivra aux confins de la galaxie, vous le savez aussi bien que moi. Je n'oublierai pas votre geste, capitaine. Je vous le promets. Je peux réactiver le Normandie depuis le poste de contrôle de la citadelle. C'est une zone interdite avec des gardes armés en patrouille. C'est mon problème. Soyez à bord quand je réactiverai le Normandie. C'est tout ce que je vous demande. Vous allez vous faire tuer. Il doit L'ordre d'immobilisation émane de l'ambassadeur Woodina. Je doute qu'il reste assis à vous regarder tapoter sur son ordinateur. Avec un peu de chance, il sera absent. Sinon, je... L'ambassadeur ne laissera pas passer ça, capitaine. Vous serez accusé de trahison. Les options sont limitées. Soit je pirate l'ordinateur de l'ambassadeur, soit je tente ma chance avec les patrouilles du poste de contrôle. La décision vous appartient. Je vais m'introduire dans le bureau de l'ambassadeur. Vous êtes prête à vous tirer de cette station, commandant ? C'est parti ! Je m'occupe des scellés. Allez au Normand. Go ! Donc je préfère lui laisser le choix, j'avais pas envie de faire une connerie, parce que à mon avis, si je laissais aller à la station, ça aurait été une connerie. Parce qu'il aurait peut-être pu mourir. Hein. Non, c'est le secteur. C'est le secteur. L'académie du SSC. Allez, go, 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 on remonte. Nous arrivons à la Suite dernière de étape. Enquête sur les événements d'Eden Prime. Le conseil viendrait de déchoir l'un de ses agents de son statut de spectre. L'agent, dont l'identité reste inconnue, n'a toujours pas été appréhendé. Mais le porte-parole du conseil nous a confirmé que la procédure d'arrestation était en cours. Eh ouais, ouais. Bon. C'est long. Voilà. Pas trop tôt. Allez. Enfin. Et on y retourne. Oui, oui, oui. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Anderson, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je ne vous ai pas demandé. Sortez-nous là, Joker, tout de suite. Et nous y voici. Donc on va aller parler un peu à Liara. Pas par là. À mon avis, on va voir si elle a quelque chose à nous dire. Parce que tout à l'heure, on a failli faire quelque chose, mais ça n'a pas été fait, donc on va voir. On va également parler aux autres qui sont en bas. Je vais passer beaucoup les dialogues parce que j'ai déjà vu, moi. Il n'y a rien d'intéressant. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose. Non, je voulais juste... Volontiers, Shepard. Ok, non, il n'y a rien au revoir, à dire. Shepard. Ouais, pourquoi il n'y a rien à dire, Sniff? Bon, il n'y a rien à dire aux autres non plus, alors. On va directement aller sur Ilos. Ilos. Qui sera la dernière zone du jeu, si je ne me trompe pas. Avant de pouvoir faire Mass Effect 2. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce que tu es? Il est là.
Let's go sur Hill House. Doudoudou. Alors, ça fait rien d'intéressant. Adjectoton. Rien non plus, donc on go sur Hill House. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ah, c'est là la scène avec Liara, c'est ça. Shepard, puis-je vous parler? Justement, je pensais à vous. J'ai pensé à vous aussi, et à ce que nous sommes sur le point d'affronter. Je ne sais pas ce qui va se produire sur Ilos. J'espère que nous arrêterons sa reine, bien sûr, mais je crains aussi que nous n'arrivions trop tard. Je dois donc vous confier quelque chose, au cas où nous échouerions. Nous n'allons pas échouer. Je vous le promets. Non, inutile de me rassurer. Sa reine a peut-être déjà trouvé le canal. Il est temps d'être honnête l'une envers l'autre. Je voulais me rapprocher de vous depuis longtemps, mais fusionner avec un membre d'une autre espèce n'a rien d'anodin. C'est la première fois, je sais pas. Je veux que vous soyez sûre de vous, Liara. Surtout si c'est la première fois. Je n'ai que 106 ans. D'après les critères Asari, je suis à peine adulte. Et je passe la plupart de mon temps plongée dans mes recherches. Je n'y avais jamais vraiment pensé. Pas avant de vous rencontrer, en tout cas. Je veux essayer, Shepard. Nous n'en aurons peut-être plus jamais l'occasion. Ne vous sentez pas obligée. Il faut que vous soyez sûre de vous. Plus que jamais. Voulez-vous vous unir à moi, Shepard? Faire fusionner nos corps et nos esprits? Allez, go! Dites-moi juste quoi faire. Baggy 18. Ouais, Baggy 18, bien comme je disais. La déesse, c'était incroyable, je sais pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Arrivé au relais mu, estimé à 5 minutes. Le devoir avant tout, Shepard. Il ne faut pas faire attendre Joker. Shepard, quoi qu'il advienne sur Ilos, merci. Et voilà. Ça c'est fait. Ça, c'est fait. Ah, d'accord. Commandant, on a de la... Avons-nous été repérés par leur capteur? Mode furtif activé. Tant qu'on reste hors de leur champ de vision, ils n'ont aucun moyen de savoir qu'on est là. Je capte une activité étrange à la surface de la planète. Verrouillage des coordonnées, Joker. Posez-nous dans le coin. Négatif, commandant. La zone d'atterrissage la plus proche est à 2 clics d'ici. On n'aura jamais le temps d'y aller à pied. Essayez de nous rapprocher. Il n'y a pas de zone d'atterrissage plus proche. J'ai vérifié. Larguez-nous dans le Mako. Il faut au moins 100 mètres de terrain découvert pour réussir ce genre de largage. Dans le secteur de Saren, il n'y a rien de plus de 20 mètres. 20 mètres, c'est beaucoup trop juste. Nous devons essayer. Trouver une autre zone d'atterrissage. Il n'y en a pas. L'angle d'approche est trop élevé. C'est notre unique solution. Ce n'est pas une solution, c'est du suicide pur et simple. On a... Je peux y arriver. Joker ? Je peux y arriver. Préparez-vous et montez dans le Mako. Joker, vous allez nous larguer directement sur ce fumier. Ok, c'est parti. Non, on va faire... Allez, Liara et Italie.
Allez, entrez là-dedans, tout de suite. Le passage par cette porte. Si Saren a réussi à l'ouvrir, c'est que quelque part dans le complexe, il doit y avoir une commande d'annulation de la sécurité. Il nous faut trouver un moyen de le rétablir. Ok. Donc, on peut changer juste de Lyra. Dans X, non, si, j'ai mieux. Ok. Tout en mieux, c'est bien. Et ici. J'ai tout en mieux. Regardons les points. Niveau 50, niveau 50, niveau 50. Il manque juste un point ici. Alors, dans le secteur. Il y aura continué encore, hein. On va retourner en arrière. J'ai de la pied, d'accord. Là, c'est pas la bonne arme. Celle-là, c'est la bonne. On va mettre un fusil ici. On va continuer encore un peu. On va pas tarder à s'arrêter. Pour cet épisode, bien entendu. Moi, je compte bien finir le jeu aujourd'hui. C'est par là que je dois passer, je crois. Ça n'a pas l'air d'être là pour le moment. On va remonter. Faut que je prenne l'ascenseur, on dirait. À moins que il faut que j'aille tout en bas. Non, il faut que je prenne l'ascenseur. Cap sur Ilos, passer la sécurité. Ok. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que je prenne l'ascenseur, mais après. Je suis sûr de rien. Ben non, je peux pas le prendre en fait. Je ne peux pas prendre l'ascenseur. Il faut que j'aille tout en bas alors. Passons par là peut-être. Je sais pas. Je ne sais vraiment pas. Allez, on va aller jusque la cour et ensuite on s'arrête là. Ah, il y a un ennemi là-bas. Vous devez entendre mon clavier, hein, vraiment désolé pour ça. Mon clavier et ma souris, vous devez l'entendre, même si j'essaye de bien la régler, ça marche pas très bien.
et je ne vois vraiment pas pourquoi. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce que t'es ? Soldat d'élite. Ah, flûte, c'était pas peut-être le bon truc là. Juste pour ça. C'est vraiment pas très utile hein. On va quand même essayer de le décrypter. Bah non, on va faire ça super rapide. Pistolet. On va changer d'arme le plus rapidement possible pour avoir de meilleures armes si possible. Ok, c'est pas grave. Donc là il faut que je descende. Qu'est-ce qui me brouille en fait? Je vois pas. Y'a quelqu'un qui me brouille là, mais je sais pas qui. Ah, ici. D'accord. Là qui est fait, et on prend l'ascenseur. Et nous allons nous arrêter là, en plein dans l'ascenseur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheStead pour la Gentleman HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.